se retrouve dans la série Paillettes ou Gourmandise, et cette fois c'est Paillettes. Vous avez pu voir la première vidéo avec de la gourmandise, bien évidemment il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça vous a plu et vous avez fait un accueil très chaleureux à mon nouveau concept, et je l'apprécie vraiment énormément, et ben c'est top quoi, voilà. Donc cette fois-ci ça va être sur le thème paillettes. Vous avez été nombreuses à me parler en fait d'huile sèche par rapport justement à l'été, mais pailletée. Donc je vais vous montrer en fait celle que je préfère et celle que je possède, et vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors, il existe des huiles sèches, il existe des laits hydratants, pailletés, scintillants, il existe aussi des voiles scintillants, ils appellent ça, mais c'est des laits hydratants. Il y a plusieurs produits avec des paillettes. Et moi, l'été, même arrivé fin du printemps, je commence déjà avec mon préféré que je vous présenterai à la fin. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir mon préféré. Mais pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez que je l'utilise depuis très longtemps. Là, je vais vous montrer certains que j'ai pu découvrir grâce à des partenariats ou des produits qu'on m'a offerts, et d'autres que j'ai pu acheter. Et j'ai bien envie aussi, je vais vous montrer une huile sèche sans paillettes, car j'aimerais découvrir avec les paillettes. Oui, oui, oui. Tout d'abord, je voudrais vous parler de ce produit-là, où je l'ai bien entamé. Ça a été une super belle découverte. Vous savez, je vous avais présenté par rapport à Octoly. J'ai pu prendre de ce produit dans mon free store. Donc en fait c'est ultra hydratant, scintillant corps, hydrate pendant 24 heures, illumine, pénètre instantanément. Celui-ci en fait il va avoir la propriété de hydrater, mais c'est plus un lait scintillant, ils mettent un voile scintillant. C'est vraiment avec des reflets vraiment très légers. Je vais vous montrer la texture. Donc voilà, c'est un lait tout simplement. Bien évidemment, la caméra, ça n'a pas donné pareil. Moi, déjà, je vois des micro-particules. Là, quand je commence, vous voyez, ça change de couleur. Donc, ça va faire vraiment un voile scintillant. Il n'y a pas beaucoup de paillettes. Mais je vous dis, la particularité, c'est que ça hydrate. Alors, celui-ci, je l'applique plutôt le soir. Après la douche, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup aussi l'odeur. Et ce petit côté irisé, donc là je ne sais pas si on va arriver à voir les petites particules de paillettes. C'est vraiment très léger. Mais c'est un bon produit, et Topicrème, vous savez que c'est surtout pour les soins, les soins, surtout les peaux atopiques. Et là ils ont sorti cette gamme là, et ben top, enfin moi j'aime bien. C'est un produit que je serais susceptible vraiment de racheter. Ensuite, un autre produit dans le même genre que j'ai plu, mais que je vous ai déjà présenté, c'est la gelée scintillante de Rivadouce. Vous avez pu la voir, c'est dans un flacon, dans un lundi, viens boire un café avec moi. Je l'ai donné à une copine, mais j'ai un échantillon, donc je vais pouvoir vous montrer la texture. Alors c'est pareil, c'est sur le même principe, ça va permettre d'hydrater. C'est une gelée qui sent super bon dans mon œil, c'est super frais. C'est vrai que j'aimais bien, mais pour moi le soir il y avait trop de paillettes et compliqué. La journée il n'y en avait pas assez, donc j'ai préféré m'en séparer. Alors je vais vous montrer sa texture pour celles qui n'ont pas suivi les lundis, viens boire un café avec moi, et attention, faut suivre. Oui, parce que je vous montre des petites choses que je ne remonte pas en vidéo. Ça sent le monoï, mais c'est un truc de malade. Donc je vais juste vous montrer, je pense que je vais l'utiliser quand je vais prendre ma douche. Donc voici la texture. C'est une texture vraiment gelée. C'est pas du tout un lait. Hein. Et c'est très frais et très hydratant, je trouve. Donc voilà, alors par contre, ce que je vais faire, c'est que là tout remonte. Je voudrais, si j'arrive à faire ça, voilà, le mettre ici, donc comme ça, et c'est doux, ça pénètre rapidement, enfin c'est une texture qui est vraiment particulière. Je connaissais pas du tout les gelées, et c'est vraiment, enfin moi j'aime bien, mais je vous dis, le concept paillettes, c'était pas ça. Ça ne colle pas, ça pénètre rapidement, ça sent super bon, mais je vous dis,
Mais je sais pas, c'est pas un produit qui m'a plus, comment dire, plus accroché. Donc du coup, je m'en suis séparée. Voilà. Donc je sais pas si on va voir aussi si on voit un petit peu les toutes petites paillettes. C'est vraiment quelque chose de très 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 léger. Mais alors ça sent super bon de mon œil. J'adore. Ensuite, le troisième produit. Là, c'est une huile sèche. Je ne connaissais pas du tout. Bulleuse, luxueuse. C'est même une huile nacrée, parfumée. Donc c'est encore autre chose. C'est carrément une huile nacrée avec des toutes petites particules de nacre. C'est vraiment encore autre chose. Donc ça, c'est une abonnée qui me l'a fait découvrir. Alors là, je vais vous montrer. Donc c'est pas encore mélangé. Donc vous voyez l'huile. Et vous voyez tout le nacre dans le bas. C'est un peu le même. Bon là, je l'ai bougé, dommage. Mais un peu le même principe que l'huile de chez Sephora. En fait, là, quand c'est pas mélangé, c'est tout blanc. Et là, on a toutes les paillettes. Donc ça, c'est un peu le même concept. Mais c'est vraiment du nacre. On a vraiment l'impression qu'il y a un pigment qui a été mis dedans. Donc, le point négatif, c'est le packaging. Il est en verre. En plus, c'est une huile. Ça nous glisse des mains. Donc, on peut le faire tomber. Je l'ai fait tomber dans mon évier. Et heureusement, déjà, j'avais peur de péter l'évier et de péter la bouteille. Je ne l'ai pas pété du tout. Et heureusement. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est que l'ouverture, c'est carrément un gros orifice, quoi. Donc là, vous vous en mettez partout. Voilà, donc là, je vais bien le mélanger. Alors, je ne vous explique pas. En plus, il est lourd. Franchement, il est lourd. Le packaging, il est pas top, hein, de toute façon. Voilà. Donc, voici comment ça se présente. Et ça, vous avez une petite soirée barbecue. Je trouve que c'est plutôt pas mal le soir. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voici comment ça se présente. C'est une huile, hein, donc voilà, nacrée. Et vous mettez ça sur votre bronzage. Alors je trouve que ces huiles-là, c'est un peu comme l'huile de chez Sephora. Même l'huile, bah, l'OVA, je vais vous le dire, c'est mon préféré. Hein. Ça a tendance un petit peu, je trouve, à colorer la peau. Donc voilà, j'en ai mis un peu plus pour vous voyez. Hop, je trouve que ça colore un peu la peau. Donc pour les peaux qui ne sont pas bronzées, les personnes qui ne se mettent pas au soleil, qui ont une peau blanche, je ne suis pas sûre que ça peut convenir. Parce que je vais vous montrer, regardez mes mains, j'en ai plein sur mes mains. Donc imaginez sur la peau. Ça, c'est peut-être le produit que je déteste le plus sur tout ce que je peux avoir. Voilà. Et pourtant, au départ, j'aurais cru que ça aurait été top, mais voilà, pas du tout. Donc, on peut voir que ben, les mains, donc on retrouve la même chose, en fait, sur la peau, ça fait jaune. Et j'étais surprise, je pensais pas du tout. Et en fait, si. Voilà. Ensuite, l'autre huile pailletée que j'ai, c'est celle de chez Sephora. Donc, comme je vous ai dit, normalement, c'est tout blanc. Donc, en fait, on secoue bien. Ça a une bonne odeur de fleurs de la passion. C'est une huile de fleurs de la passion. Hein. C'est pas... Hop! Voilà, ça se présente comme ceci. Le packaging en plastique, donc rien à voir avec la bulleuse. La bulleuse luxueuse, rien à voir. Hein. Hop! Vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Celui-là, il fait plus jaune, plus or. Ensuite, le packaging, ben là, c'est pareil. Au niveau de... Pour libérer le... Le produit, j'aurais préféré vraiment un pulvérisateur, un pchipchit on va dire. Ça aurait été beaucoup mieux parce que je trouve qu'on en met quand même pas mal. Donc ça, je l'ai racheté déjà, hein, parce que celui-là, bien sûr, de Octoly, je l'ai déjà fini. Donc là, lui, il est tout neuf. Alors celui-ci, je vais essayer de vous montrer, parce que j'ai les mains tout colorées. Ça fait plus cuivré que jaune. Par contre... je trouve que l'huile sèche donc, pénètre quand même rapidement, ne colle pas quand on met les habits, et on voit plus rien à force que je m'en mette, et il y a quand même les petites micro-particules de paillettes. Alors est-ce qu'on va voir? Pas facile à voir, mais en tout cas, peut-être plus encore sur les mains, j'ai les mains dans un état, ça sent bon, j'adore. Donc celui-ci viendrait en deuxième position. Au niveau des huiles sèches. Et la première position que je rachète, mais tous les ans, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez, il est quand même bien entamé. Et c'est une huile sèche scintillante et ça sublime votre bronzage, vraiment. Et là, il est en plastique,
Il a un pulvérisateur, le top. Et en plus de ça, c'est des micro-paillettes, mais qui durent très longtemps. Pour vous dire, celui-ci, je le mets à mon travail. C'est-à-dire que le matin, je prends ma douche, j'en applique sur moi, je mets mes habits, je remets ma blouse et j'ai toujours des paillettes. Celui-là, Sephora, il aurait plus tendance à s'en aller au fil de la journée quand même. Hein. Bon, c'est des produits, par contre, les deux que je vais appliquer le matin, pas le soir. Celui-ci, il va quand même rester vraiment une bonne partie de la journée. Vous pouvez l'appliquer sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait honnêtement que sur le corps. J'ai pas envie de tester sur mes cheveux et sur le visage non plus, quoi. Voilà. En tout cas, c'est un produit que j'aime énormément et qui ressort tous les ans. Souvent, vous l'avez en tête de gondole. Je l'ai vu à Leclerc, je l'ai vu à Super U. Donc, je pense que c'est un must hein, parce qu'il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est au Monoï de Tahiti. Ils sont super bons. Alors, pareil, quand on va l'appliquer sur soi, on a l'impression qu'on va rester en fait gras et pas du tout. Après, par la suite, ça pénètre bien. Et je trouve quand même que ce petit côté huile sèche va rester sur toute la journée, mais sans laisser de gras. Et pour finir, je vous ai dit que j'aimerais tester une pailletée que je n'ai pas. J'ai juste l'huile sèche qui fait aussi multifonction. C'est l'huile de chez Nuxe. Apparemment, elle a l'air d'être bien. Et moi qui aime beaucoup les huiles pailletées, donc j'aimerais bien la tester. Celle-ci, j'ai déjà en huile sèche. J'ai rien de négatif à dire. Je l'économise. Je l'adore. Elle est vraiment top, top, top pour tous les types de peau. Cette huile, elle est vraiment géniale. Donc je me suis dit, pourquoi pas la tester en huile pailletée. Voilà mes petites smilettes pour mes huiles sèches, les laits, tout ce que je possède que vous m'avez demandé. Bien évidemment, il y en a encore plein d'autres. Mais déjà, si j'arrive à finir tout ça, je pense que ça serait plutôt pas mal. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans Paillettes Gourmandises by Dean dans pas longtemps avec sûrement une gourmandise cette fois-ci. Smile and Zen.